Ces différents groupes ethniques n'ont pas sur la même longueur d'onde, en fait, que le mouvement démocratique qui milite pour une Birmanie fédérale. Ces différents groupes ethniques, ce qu'ils souhaitent, c'est une grande autonomie. Ils ne parlent pas de système fédéral. L'armée birmane, ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont pas gagné, ils sont en train de perdre. On considère que les insurgés contrôlent à peu près la moitié du pays et l'armée contrôle l'autre moitié. Mais l'armée contrôle quand même toujours les grandes villes. Donc on est dans une situation où l'armée est en train de perdre, mais il n'est pas une force, disons, unifiée pour reprendre la victoire.